Je suis de la fontaine Rosselmann. Alors, on est à la place du 2 février. Une grande place. Voilà la petite Venise de Colmar. Alors le marché est couvert de Colmar qui est fermé le lundi juste à côté de la petite Venise de Colmar. Ça sent bon. Ça sent le biscuit. Alors, il y a un moulin, une cigogne, un coq, le Père Noël, une bicyclette. Merci. C'est la brasserie des tanneurs. Alors on est à la place de la fontaine du général Swandy. Que celui qui a des intentions honorables entre à l'auberge, le séjour y est favorable. La place de l'ancienne douane. La maison dite aux pèlerins. Avec une famille de cigognes. Alors, on est à la cathédrale Saint-Martin.
la paroisse de Saint-Martin, victime de la Grande Guerre 1914-1918. Des arrosoirs de partout. Alors, l'église des Dominicains, l'entrée pour adultes est à 2 euros, pour les étudiants 1,50 et pour les jeunes 1 euro. Alors deux. Alors, je vous donne une vue d'ensemble de l'église des Dominicains. Toujours avec la Vierge Marie. Voilà ce qu'il y a dans l'église des Dominicains. Alors ici vous avez la peinture qui raconte l'histoire de Jésus qui a été arrêté après qu'il doit porter sa croix. Et ainsi de suite. Je vais aller là-bas pour regarder la suite. Voilà, ça c'est la suite de l'arrestation de Jésus-Christ qui porte la croix et après, on connaît la suite. Alors, nous avons à Colmar la statue de la liberté sur un rond-point